Cena. Et salut tout le monde, c'est CocoSena7, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les potes, petit comeback sur Modern Warfare 3, je pense que ça va vous faire plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas posé de Modern Warfare 3 et bah je me suis dit tiens, c'est l'occasion de revenir un peu sur les nouveaux codes, ça change un peu, ça redonne du souffle à YouTube. Donc voilà, donc c'était un petit gameplay en élimination confirmée sur la map résistance. Donc je dis petit gameplay bien sûr, je vais pas vous proposer de la crotte. C'est même un gros gameplay, j'ai envie de vous dire. C'est une speed moham, une assez grosse performance réalisée par mon ami Xtas Crazy, mon ex-mate d'ailleurs, ex-mate, ex-coéquipier si vous voulez. Donc voilà, une classe assez basique, hein. Je pense que tout le monde commence à le savoir, MP7, bon voilà. Mais je me suis dit que voilà, revenir sur les anciens Call of Duty avec un gameplay assez rapide, c'est pour ça que je veux pas vous faire un sujet de ouf. Je pense que ça va vous faire plaisir. Donc voilà, donc je voulais aborder un petit sujet assez rapide bien sûr, hein. Je voudrais savoir si dans la communauté là, enfin dans la mienne communauté et peut-être dans celle à qui je vais envoyer la vidéo, est-ce que vous pensez que vraiment Ghost est adapté à la compétition? Si oui, quel mode de jeu vous préférez? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Donc voilà. Alors je vous demande surtout pas de comparer Black Ops 2 à Ghost. C'est vraiment deux jeux différents, deux licences opposées. Un gameplay totalement différent. Infinity Ward, un gameplay vraiment personnage est lent. Mais ça reste un gameplay quand même assez agressif. Après Black Ops 2, c'est un gameplay très très agressif au niveau compétitif. C'est vrai que quand on arrive sur une HP, voilà. C'est pour ça que je vous demande pas de comparer les deux compétitions. Je vous demande juste de me dire ce que vous pensez de la compétition sur Ghost. Voilà, tout ça. Donc voilà, on arrive déjà au terme de la vidéo. Merci aux chaînes communautaires si elles m'upload, code CF, code QG. Voilà. Donc petite Moab en 1 minute 50, c'est ce qui fait 110 secondes à peu près. Voilà, il se fait tuer directement. Par contre, vous allez rager un petit peu parce que la Moab va pas exploser. Il y a eu un petit bug du mode CE, donc voilà. Donc en tout cas, c'était CocoSena7. Je vous fais des poutou poutou. Je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao à tout le monde. My life be like... My life be like...